Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker nouveau titre de MC Watt, ça s'appelle Cocaïna. C'est sorti il y a 23 heures exactement, produit par MC One et Yugs, c'est ça exactement. Réalisation Stick et Demolition. Signé chez Sony Music Entertainment France. Let's go. D'arrêt de correctionnel. En fait, ça commence avec une histoire directement en fait. La drogue est un fléau qui ravage dans des enfants et du tout consommation normal dans la drogue n'est plus un chemin comme un autre puisqu'il y a deux si possible, prison ou la mort. MC One. La coca, la cocaïna, MC One. Je suis posé au calme avec mes mocheurs dans la caisse. Il y a des kilos de cocaïna dans le coffre de la caisse. Je dois liquider le stock avant midi et le temps presse. Je dois pas faire serrer par les keufs, je veux pas faire la une dans la presse. Non, non, dans le TK c'est la panique. Je vends la top, y'a rien dans la marmite. Je rentre tous les soirs avec du liquide, même la perfection. La perfection, le flow, les rimes. Je suis fier de moi quand j'aperçois son sourire. Évidemment, c'est pas cette vie qu'on voulait, mais on n'a pas toujours ce que l'on mérite. Yeah, je vais un dealer de cocaïna. La coca, la cocaïna. Je dis le de la cocaïna, la coca, la cocaïna. Je suis un dealer de cocaïna, la coca, la cocaïna. Je dis le de la cocaïna, la coca, la cocaïna. Je sais qu'un jour, je vais me faire serrer par les keufs. Je sais que tôt ou tard, c'est sûr que je vais finir en cabane. Je suis déjà un homme mort, je me promène avec mon cercueil. Et dans mon cas, on finit toujours avec une balle dans le crâne. Je suis recherché par la police. Le bouchard a fait son job. Maintenant, je suis poursuivi pour trafic illicite. Je suis impliqué dans toutes sortes de fraudes. Et la solution, c'est de quitter le pays. Je sais que ce que je suis dangereux, mais je veux plus voir ce même regard dans les yeux. Maman, ce pognon occupe toi, mes petits frères. Il est temps de se dire adieu. Je suis un dealer de cocaïna. La coca, la cocaïna. Je suis dealer de la cocaïna. La cocaïna, je suis un dealer de cocaïna. La coca, la cocaïna. Je suis dealer de la cocaïna. La coca, la cocaïna. Je suis chaud de l'histoire, comment il le raconte. On dirait presque qu'il a vécu une partie, tu vois. Je sais que tôt ou tard, c'est hyper bien fait, tu vois, dans les moindres détails et tout. Je suis déjà un homme, je me promène avec mon cercueil. Et dans mon cas, on finit toujours avec une balle dans le crâne. Je suis un dealer de cocaïna, la coca, la cocaïna. Je dis le de la cocaïna, la coca, la cocaïna. Je suis un dealer de cocaïna, la coca, la cocaïna. Je dis le de la cocaïna, la coca, la cocaïna. Ouf. C'est chaud, hein. Le clip est chaud aussi, hein. Cocaïna, touche pas la cocaïna.
je te jure, t'es pris dans le clip et tout, dans le son. Ah, il est fort. Ouf. Il nous a ramené loin là, MC One là, il nous a ramené vraiment loin. On dirait vraiment son clip et son son, c'est vraiment presque comme un message pour la jeunesse, pour tous ceux qui sont dedans ou qui ont été dedans. Mais je te jure, comment il le raconte, comment il le clip et tout, comment il le raconte, c'est vraiment presque comme il a vécu le truc, tu vois, c'est fou. Il a déjà mis la première minute, enfin les 30-40 secondes du début du clip carrément dédié à ça. Une intro, après il y a des petits passages à droite, à gauche, le son est entièrement dédié à ce sujet, etc. Je pense que soit c'est dans son entourage, ou soit c'est lui qui l'a subi, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il connaît hyper bien le sujet, et c'est presque émouvant, tu vois, comment il le raconte, comment ça ressort, en fait, c'est hyper émouvant, tu vois, presque, et bravo à lui, parce qu'il a grave fait le taf dessus, tu vois, simplement, tu vois, posément, tu vois, avec, tu vois, sans forcer, tu vois, naturellement, il le fait, tu vois, ça qui est fort avec lui, et même, il fait des rimes et tout, il fait vraiment des points de punchline à droite, à gauche, ça passe super bien, en fait, il a un flow qui va super bien, comme d'habitude, et le niveau est toujours plus élevé, de plus en plus que les mois, les années passent, donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est chaud. C'est chaud tout ça. MC One mérite une place plus grosse et considérable dans le milieu du rap. Puis voir, il est très talentueux. C'est incroyable ce qu'il fait, ce mec. Il maîtrise presque tous les styles musicaux. Il essaie de s'adapter à tout pour ne pas trop parler. MC One et Kiwana est un véritable monstre talentueux pour le rap. Ça donne déjà de bons résultats. On espère que cet album fera le tour du monde. Franchement, ça, c'est un autre niveau du rap qu'il est en train de créer. Lyrics conscient, ce de ça que l'Afrique et le monde a besoin. Franchement, des meilleurs champions. Ils peuvent pas l'avouer publiquement, mais ils savent que c'est une tuerie. Le décor, le flow, le texte, tout est waouh. Non, la consommation et au trafic de stupéfiants. MC One est pétri de talent, c'est clair. Félicitations à toi, mon frère. Jumeau MC One, courage pour la suite. Tu mérites vraiment une place. Pas possible dans le milieu du rap, voir One Family. Ah, tout le monde est content de le voir, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas hyper actif. Et quand il balance des trucs, c'est souvent des beaux, beaux, beaux contenus, des grosses tracks ou des beaux clips, tu vois. Et là, ça a encore matché, tu vois. Cocaïna, un beau sujet à développer, enfin un sujet important surtout à développer parce que c'est très, très actuel dans le monde d'aujourd'hui. Donc il faut suivre les conseils, hein, tu sais très bien, hein, faut pas se mettre dans des emmerdes, dans des problèmes, dans les trucs comme ça. Même si t'as de quoi acheter une Mercedes AMG ou ce que tu veux derrière, mais c'est toujours... T'auras ça, mais derrière, t'auras des problèmes encore plus gros que ce que tu viens d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dedans, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas faire ça, tu crois que tu vas récupérer de l'argent, tu vas coffrer, tu vas partir en prison, tu vas récupérer, tu vas perdre je sais pas combien de temps de ta vie et tout. C'est inutile. Mais bon, il y a toujours d'autres moyens de s'en sortir que de faire ça. Et tout le monde le dit, tous ceux qui sont passés par là et tous ceux qui ont un entourage qui est passé par là. Ils vont jamais te dire de le faire. Et si tu vas apprendre, tu joues avec les risques, quoi. C'est comme si tu braquais une banque, quoi. La même chose, quoi. C'est la même chose. Sauf qu'une banque, il y a 100% de chances que tu vas te faire récupérer derrière. Sauf que les ventes de trucs comme ça, tu vas pas te faire récupérer derrière. Sauf que tu vas être encore plus gourmand. Et derrière, ça va être plus important, tu vois, ce que tu vas prendre derrière. Donc, à la fin, tout est pareil au niveau du résultat. Donc. Stop, comme on a dit dans les commentaires, exactement. Non à la consommation et au trafic de stupéfiants. Restez clean, les enfants. Bon, allez, on se quitte dessus. Et belle force à MC One. Il a proposé un beau contenu et un sujet important qui j'espère, va faire peut-être va interpeller certaines personnes qui sont dans ces trucs-là et voilà, qui vont se ranger pour éviter des drames familiaux, des trucs. Trop dur. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.